Salut tout le monde, c'est Pedro et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de mon let's play de Last of Us sur PlayStation 4. Et on s'en était arrêté la dernière fois juste après l'accident de voiture, je sais pas si vous vous souvenez. Donc on va recommencer, enfin on va recommencer, reprendre plutôt parce que recommencer, un peu embêtant. Donc alors pour ceux qui diraient on voit pas le menu, on voit pas le menu, etc. Si vous voyez pas le menu, c'est normal, c'est parce que je ne peux pas enregistrer à partir du menu. Je peux enregistrer dès que je lance le jeu. Voilà. Donc, alors aussi, je voulais m'excuser pour les problèmes de micro qu'il y a eu. Alors je sais que oui, le micro, on n'entend pas très bien. Il y a des petites coupures, etc. Ce n'est pas de ma faute, c'est le micro PlayStation 4. Alors je vais voir pour essayer d'en changer. Pour l'instant, je n'ai que celui-là. Je sais qu'il fallait aussi que je parle un peu plus fort, donc c'est fait. Je vais parler un peu plus fort pour les vidéos. Donc voilà. Alors on va reprendre donc là où on en était. Ici, voilà. Papa? Hey! Recule, ma puce. Recule. Donc voilà. Et là, il nous demande bien sûr de casser le pare-brise. C'est bien. Bah voilà, ça va coûter cher en plus. Voilà. Et va falloir aller chez le carglass maintenant. Aucun respect. Hein. Aucun respect. Hein. N'importe quoi. Bon. Alors. Ah bah merci monsieur. Ah, regardez, on dirait Fernando Torres. Je suis là chérie, je suis là. Fernando Torres, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? Mal. On va devoir courir. Ok, on va courir, Torres. On t'a compris. Je compte sur toi. Allez ma puce. Donc nous là, ce qu'on va devoir faire, c'est pas plus difficile que ça. On va... Oula. On va suivre Torres là. Alors là. On va juste suivre ce que va faire Nando Torres là avec la tête dans les bras. On peut juste faire le mouvement en appuyant sur carré parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire vu qu'on a la tête dans les bras, on peut pas prendre là. Oh là là, oh. C'est n'importe quoi hein. Bon, alors c'est un peu difficile de courir parce que là vous voyez là, je suis en train de sprinter sur mon sprint avec les gens qui sont avec la dans les bras, c'est un peu difficile hein. Évidemment, évidemment. Regarde-moi ma puce. Hein? Oh là là, et t'as voulu m'entrer dedans toi? Pour à conduire la connasse. C'est pas possible ça hein. Alors les gens ils conduisent comme ça, ils disent bon oh, bah ok hein. On va alors comme vous avez pu remarquer, je ne vais pas faire des vidéos plus longues. Enfin le maximum que je vais faire en vidéo ça sera 10 minutes, enfin un peu plus de 10 minutes. Hein. Je vous ai déjà dit pour pas faire ni trop long ni trop court. Voilà. Alors là je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire bien. J'ai oublié. Merci Fernando. Tiens François dans ta gueule. Ah on n'y est pas. Il n'y arrête pas. Avance et trouve une issue. Ah oui, allez. Joël, mets-toi. Oh là là, ça va faire mal au bras. Prends la nationale. Vas-y, t'as ça. Moi, je peux l'espérer. Pas mal, Torres. On se retrouve là-bas. Dépêche. C'est encore pire que d'avoir signé à Chelsea, mon pauvre. Je vais vraiment que je vais passer par là. On y est presque. Donc, on va le faire. Alors, là, vous avez vu, il y a l'ombre du gars. Et je dois encore insister, mais regardez, plein de graphismes, c'est quand même exceptionnel. Donc là, je vous conseille de sprinter, de ne pas s'arrêter quand il y a des gens derrière. Et là, on a un derrière, là. Donc, ouais, après, on est arrivé. Merci Fernando Torres. Le derrière. Ça va, chérie, c'est fini. Ah non, c'est vrai, c'est pas lui. Hey. C'est lui, hein, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok.
Nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde... Ah bah voilà, c'est malin. Ah, quel truc, hein. Vas-y, Torres, descends-le. Je vous en prie. Merci, Torres. Oh non... Sarah! Ah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Le son est quand même super réaliste. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Pauvre petite Sarah. Ça va, aller, chérie, reste avec moi. Ah, ça raccroche. Allez, je vais te soulever. Désolé pour cette vanne. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Non, Sarah, non. Oh. Sarah. Chérie. Bon. Fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez, go. Ça va pas rappeler, hein, ça rappelle. Non. Ok, c'est nul. Non. Je me tais. Non. Pitié. Oh, Dieu. Pitié, pas ça. Pitié. Je vous laisse pleurer. Et voilà, The Last of Us. Le petit générique qui va bien. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Donc voilà, après ce petit générique pas mal, là, on va se retrouver, bah, l'été. Summer. Vingt ans plus tard. Je traduis, hein, pour ceux qui ne sauraient pas lire l'anglais, comme... Putain, alors ça fait 20 ans qu'en ouais, fait, j'arrive. Il n'a pas changé de chemise, quoi. Et ça fait 20 ans qu'il s'est pas rasé non plus. Qu'il s'est pas lavé non plus, hein, ça doit être ça. Tu veux que je te montre ce que c'est, une elle vraie chemise, moi? Ah là là. C'est qui, elle? T'en veux un? Non, je sais qui c'est, non. C'est juste pour vous. Pas. D'accord, je me dis. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va.
Donc voilà, alors après cette petite cinématique pour nous résumer un peu ce qui se passe, on se retrouve ici, donc pour incarner encore, encore le monsieur. Voilà. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le Donc ce qu'on va faire, c'est que là on en est à déjà 10 minutes, ah ouais ça passe vite. Bon, c'était mon deuxième épisode de ce Let's Play. Bon, je sais que là, j'ai pas beaucoup joué pendant ces deux premiers épisodes. C'était surtout la présentation des cinématiques. Mais j'ai avancé un peu plus dans la campagne, le mode pour moi, hein, que celui que je prends pas pour YouTube. Et vous inquiétez pas, là, c'est plus de cinématiques, c'est fini. Là, ça va être surtout du gameplay. Donc du gaming plutôt, du gameplay ça veut rien dire, du gaming pour les prochains épisodes. Donc merci de vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aller voir ma chaîne, celle de Delta et celle-ci, voilà. Quant à nous, on se retrouvera pour un prochain Let's Play, pour une vidéo soit sur ma chaîne, si j'ai sorti mon point info 3, soit sur les vidéos de Delta. Allez, salut à tous.